Alors, c'est pas tout à fait un témoignage. C'est un texte que je publie depuis que je suis gilet jaune, donc depuis que je suis née. Parce qu'on m'a donné la vie, et puis après on m'a dit « gagne-la ». Donc j'ai pas compris. Donc je suis sortie du système en fait, plus ou moins, puisque je vis à vos crochets, je suis RSAiste. Je m'en excuse, parce que c'est pareil, il faut s'en excuser. Bon, je ne sais pas. Et le texte que je vais vous lire, c'est la seule chose que je vais vous dire. En dictature, on y est. Quand on regarde la signification du mot dictature, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne, Emmanuel Macron, ou par un groupe de personnes, l'ARM, qui l'exerce sans contrôle, de façon autoritaire et tyrannique. On y est. Dictature macronienne, nous y sommes. Perte de nos libertés, perte de nos droits fondamentaux, installation d'une milice politique, de censure, instauration de la peur et de sanctions, incarcération d'opposants politiques, utilisation des merdias pour désinformer la population, devenant de violences policières, de répression politique, naissance d'injustice sociale, fiscale, économique, écologique et démocratique. Des femmes, des hommes, des vieux, des enfants, des armées ont été éborgnés, amputés, édentés, par des armes censées servir uniquement en cas de légitime défense. Ce n'est pas le cas. Une pauvreté croissante, l'obligation vaccinale, Hotschweig sanitaire, ils appellent ça autrement, mais moi j'appelle ça l'Hotschweig sanitaire. Des milliers de personnels soignants ont été suspendus sans salaire, sans chômage. Utilisation en masse du 49.3 et autres. Des mensonges d'État, etc., etc. À savoir, depuis de trop nombreuses années, nous luttons contre la destruction de nos conquis sociaux par des puissances d'argent et des gouvernements successifs qui les servent. Allez, je me perds. Les combats, les batailles, les ultimatums n'ont jamais cessé et pourtant, on n'a jamais rien eu. On a crié notre détresse, nos peurs, on a hurlé, on a chanté, on a marché, on a pleuré, on n'a jamais été écouté. Les batailles se sont succédées les uns après les autres, sans que nos voix, ni nos actions, même les plus massives, ne se voient sérieusement prises en compte. Le dialogue est bel et bien rompu avec le peuple, et les corps intermédiaires qui se battent encore contre la répression sociale. La seule réponse qu'on a obtenue, c'est une répression inédite. Censée représenter le peuple, le gouvernement coûte un véritable pognon de dingue. Quand le peuple hurle pour ne pas crever, le gouvernement le gaze, le mutile, le tue. Tu parles ? Et j'en tremble. Bref, le gouvernement était censé être une institution au service du peuple, mais il est devenu une mafia au service des lobbies et au fil du temps n'a fait qu'asservir et appauvrir la nation. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse maintenant. Peuple, soulève-toi. Maintenant, on va donner la parole à Christophe. J'ai bien connu le figure gilet jaune. Le service de police. Oui. Bonjour tout le monde. Pour moi, on me demande de témoigner. Je pense que je vais vous faire mon petit témoignage par rapport à ce que j'ai vécu. Parce que là, on peut aller dans plusieurs violences, aussi bien violences policières, judiciaires, médiatiques. Le jour de l'acte 5. Le 5 janvier 2019. Bon, j'avais fait tous les actes avant et j'ai vu la violence policière. Et j'étais surpris parce que moi, je n'avais jamais manifesté avant. Là, aujourd'hui, cette cause me parlait et j'ai été, je rentrais tous les soirs de chaque manifestation. J'étais sans voix, je
je comprenais pas ce qui se passait dans mon pays qui était soi-disant démocratique. Je n'ai pas compris. Et ce 5 janvier 2019, là, bon, une charge policière, du gazage, du nassage, comme les autres manifs d'avant, et une personne vêtue de rouge. Au début, tout le monde dit que bon, c'est un acte héroïque, tout ça. Bon, je t'en remercie, c'est gentil. Bon, moi, après, j'ai fait quelque chose de spontané. J'ai vu une personne vêtue de rouge, donc je savais que c'était pas quelqu'un des forces de l'ordre, tomber. J'ai vu ces forces de l'ordre, donc c'était un gendarme, mettre un coup de matraque, un coup de ton et un coup de pied au niveau de la poitrine. Donc je l'ai pris, je l'ai sorti et j'ai remis la même sa pièce, donc coup de pied et coup de poing. S'il avait piétiné, j'aurais certainement piétiné. Après une bombe d'encerclement, j'ai reculé, puis moi, d'où j'étais, ma vision, j'ai vu 3 gilets jaunes et un groupe de gendarmes ou de CRS. Donc d'où j'étais, j'ai voulu mettre une claque pour déstabiliser un des gendarmes, j'ai basculé sur la rambarde, je suis tombé entre les gendarmes et les gilets jaunes qui, en fin de compte, un certain nombre. Et puis bon, après, j'ai une devise, marche ou crève, et je voulais absolument sortir et faire sortir les gilets jaunes de cette passerelle. Et voilà, et après, je me suis arrêté. Bon, voilà. Donc ça, c'est là qui s'est passé. Maintenant, après, bon, je me suis sauvé, j'ai pris la fuite, mon téléphone a sonné. Quand j'ai vu mon téléphone sonner régulièrement et que ça commençait à... Donc, je me suis rentré chez moi, je voulais absolument protéger mes enfants, les cacher. Donc je les ai cachés, ils sont restés cachés pendant une bonne semaine. Ils sont peut-être à l'école, parce que je savais très bien que ça allait être très compliqué. Le lendemain au collège, j'étais devant les collèges et écoles primaires pour intercepter mes enfants, pour savoir où j'étais. Ils sont venus faire une perquisition chez moi, ils ont fait une perquisition, ils m'ont tout éclaté, ils m'ont tout cassé. Ils ont tout cassé, ils ont cassé mes deux portes, ils ont arraché les placards de cuisine, ils ont cassé les ordinateurs des enfants. Ils ont tout cassé. Respire. Ah oui, Christophe. Et après, donc, la violence médiatique, c'était la violence, comme vous voyez, sur BFM. Je me vois sur BFM et je vois un individu qui décrive, et je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi ça. Donc, c'est là où j'ai pris l'initiative de faire cette vidéo à moment. Respire. Pour essayer d'expliquer aux gilets jaunes qui j'étais et pourquoi la réaction. Et expliquer pourquoi j'avais réagi comme ça. Je voulais pas desservir le mouvement en tout cas. Et bon voilà. Excusez-moi, je suis grand. Je suis pas un voyou, je travaille, j'ai des enfants, et donc je fais cette vidéo, comme dans la vidéo, j'allais me rendre. J'ai trouvé un avocat pour me défendre, donc je me suis rendu, et ça a été compliqué. C'est vrai qu'ils nous ont fait, ils m'ont fait peur au niveau de la justice. Ils m'ont demandé 7 ans de prison parce que c'était c'était violence en réunion. J'ai eu peur. Donc en fin de compte, j'ai réussi à trouver un avocat pour me défendre. Eux, je savais très bien que ça allait être dur contre le système, contre l'État. Et donc après, il y a eu le jugement. Donc j'ai été condamné à 30 mois, 10 mois de sursis, 12 mois ferme, aménageable. Donc j'ai fait un mois et demi ferme, j'ai fait 4 mois de semi-liberté, 3 mois de bracelet électronique et j'ai été libéré vers le mois d'août. Et donc après tout ça, Après j'ai réintégré ma collectivité.
Donc c'est pareil, ça n'a pas été simple. J'ai eu une commission disciplinaire, j'ai été suspendu, exclu, sans salaire. J'ai eu une mise au placard. J'étais responsable d'un service et j'étais mis au placard. Après, malheureusement, de mois en mois, des conflits se sont créés avec toute ma hiérarchie et mes responsables. Après, j'étais même acteur de ces conflits, c'est possible, hein, parce qu'au moment d'un moment, moi, j'aime pas trop qu'on me chatouille. C'est le problème de la fonction publique. À ce jour, j'ai posé une dispo. Et puis je suis intérimaire, je suis recteur et boueur, je ramasse les poubelles pendant trop longtemps. Voilà. Et après, tout ce qui est violence policière, violence policière, violence d'État, violence du système, comme tu pouvais nous témoigner dans ton texte. Des noms, il y en a beaucoup. Si on se rappelle, Zineb Redouane, Steve a fait de la musique. Après, même sur Paris Gilets jaunes, Cédric Chouviat. C'est des noms qui m'interpellent à chaque fois et on oublie tellement. Après, j'ai une liste aussi, c'est pareil, j'ai une liste des mutilés pour l'exemple. J'ai une liste, il y en a tellement à dire que c'est. Et aucun des mutilés aujourd'hui sont reconnus victimes de ce système. Donc, ça, c'est très violent. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est insupportable, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, voilà. Voilà, je voulais vous témoigner. Ce que j'avais vécu et voilà. Oui, simplement, ça veut dire que je connais Christophe, je connais un besoin. Et c'est un mec hyper sympathique, hyper gentil, et c'est surtout un humain. Et ce qu'on oublie de dire, c'est ce jour-là, à 200 mètres, où était Christophe, à l'international, c'est quelqu'un qui a eu la main arrachée. Personne n'en a parlé dans les terres. On a vu quoi? Que Christophe. Donc je pense que ce qui s'est passé est beaucoup plus grave. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, les amis. Alors, déjà quelques mots pour réagir moi, sur le témoignage que tu viens de faire, Christophe. Comme tu l'as dit, les médias dominants, le système, cette classe politique, politicienne, regroupant tout un tas de pourris que vous connaissez tous malheureusement et qu'on écoute bien trop souvent, t'ont décrit comme un monstre. Tu vois, ils ont voulu te faire passer pour un monstre. D'autres ont parlé de toi comme un héros. Moi, je pense qu'en réalité, ton comportement, on devrait tous l'avoir eu depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, je préférerais toujours celui qui ne baisse pas la garde, celui qui serre les poings face à l'oppresseur et au matraqueur, que cette pauvre tâche qui, pour le coup, matraque et vend son âme au diable en échange de quelques primes. Donc, pour moi, je m'inscris totalement là-dedans et je pense que, sur le long terme, à force de subir des coups, de voir celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui sont faibles, qui sont en situation de handicap, les femmes, les enfants sans distinction, les personnes âgées, prendre des coups, se faire matraquer arbitrairement, eh bien, il va falloir s'organiser et laisser place à l'autodéfense populaire et ne plus accepter bien docilement de prendre des coups. Je pense qu'effectivement, il faut se défendre et il n'y a qu'en se défendant, en s'organisant collectivement, en ripostant à leur violence d'État, parce que la vraie violence, elle est de leur côté, que nous réussirons à s'en sortir et à sortir de cette merde. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a quelque chose d'autre que je voulais dire, c'est que pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a tous été un peu plus ou moins surpris de cette violence policière, de ces violences d'État, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez des travailleurs, vous ne connaissiez pas cela, alors qu'en réalité, les violences d'État, elles existent depuis longue date. Elles existent depuis toujours. Et moi, je vous le dis, parce que je suis tzigane, je sais que Christophe partage aussi mes origines, et la police... Il ne faut pas faire concession et demi-mesure ou faire semblant d'occulter des choses, a toujours été au service du pouvoir, toujours à travers notre histoire. Ça a toujours été le bras armé, ça a toujours été le dernier rempart du pouvoir. Vous croyez sincèrement que M. Macron, tout seul, ce pauvre type, il pourrait résister à tout un peuple en colère? Mais bien sûr que non. S'il résiste, c'est parce qu'il a une horde d'hommes sanguinaires prêts à tout pour le défendre, qui vendent leur âme, qui n'ont aucun degré de morale. Parce que quand on met une arme de guerre qui peut mutiler à vie, qui peut tuer même,
entre les mains et que tu t'en sers en riant comme c'était le cas le 1er décembre, ils s'étaient cru dans une partie de paintball ou je ne sais pas quoi en crevant des yeux aux gens, et ils étaient en train de rire. Est-ce que sincèrement, on peut espérer quoi que ce soit de ces gens-là? Non. Moi, je vous disais, je suis tzigane, j'appartiens à ce peuple et mes ancêtres, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la police française, telle qu'on la connaît aujourd'hui, la police nationale a été créée par le maréchal Pétain, eh bien, ils ont été envoyés dans des camps d'internement, dans des camps d'extermination en collaboration avec l'Allemagne nazie. Et il y a un homme qui m'a beaucoup inspiré, qui était un résistant, qui à l'âge de 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, à mon âge, pendant le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, cet homme-là, pendant le règne de vichyste et pendant le règne nazi, eh bien, c'était un tzigane et il a décidé de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser enfermer. Il s'appelait Raymond Gurem. Il a résisté, il s'est évadé à plusieurs reprises. Et cet homme-là, jusqu'à ses 93 ou 94 ans, il n'a cessé de dire quelque chose. Il a dit, surtout, mes amis, n'oubliez pas que ce ne sont pas les nazis qui nous ont enfermés, c'est bien l'État français et la police française. Et je pense que c'est important de ne pas oublier ça. Et ça explique beaucoup de choses, et ça explique notamment l'attitude de certaines de ces crapules qui, de manière totalement éhontée, ont tiré sur des gens. Et en parlant de tirer sur des gens, beaucoup l'ont dit avant moi, d'autres le diront, mais je pense que c'est pas de trop de le redire aujourd'hui à ce moment-là, c'est que nous ne prenons pas suffisamment la mesure de la violence qui s'est déchaînée. On mesure pas, enfin on a vécu ça à l'instant T, mais on s'est jamais véritablement posé. Mais quand on réfléchit, c'est quand même gravissime. Des gens qui se sont vus arracher un membre, une main, un pied, des gens qui se sont fait crever un œil. Mais est-ce qu'on réalise la gravité? Des enfants, par exemple, à Strasbourg, je me souviens, un gars qui avait 17 ans à peine, qui était même pas en manif, hein, qui revenait du centre-ville et qui s'est pris un coup de flashball en pleine mâchoire. Etc. Et je veux dire, c'est juste dramatique, c'est juste gravissime. Des gens qui sont morts, Zineb Redouane dans les quartiers populaires à Marseille parce que un palier lacrymogène est arrivé dans son appartement et ça n'a pas fait de scandale, ça n'a pas suscité de l'indignation. Et puis des gens qui, ça a été rappelé, qui ont perdu un gars qui a perdu sa main devant l'Assemblée nationale. Mais quel symbole en fait. Tu vois, la pseudo maison du peuple où les gens sont censés être représentés et quand tu viens exprimer ta colère, on t'arrache une main devant l'Assemblée nationale. Et c'est juste gravissime. Les armes qui sont utilisées contre des populations civiles, le LBD 40, où on projette des trucs à plusieurs centaines de kilomètres heure qui peuvent t'abîmer et te causer des séquelles sur le long terme, à vie, pour toujours, définitivement. Et on le voit avec les dizaines de mutilés qu'il y a eu. Des gaz lacrymogènes également. Dans lesquels il y a du cyanure parfois, qui condamne ma génération, les plus jeunes d'entre nous qui se mobilisent maintenant depuis quelques mois, quelques années parfois, à choper d'ici 10, 15 ans des cancers. Enfin, je veux dire, c'est juste gravissime. Et je voulais dire ça parce que même si la manière dont je le dis, ça n'aura jamais autant d'impact que celles et ceux qui en ont été directement victimes dans leur chair, il faut savoir le rappeler. Et puis, outre cette violence-là, il y a tout un autre registre de violence. Il y a les camarades qui sont en prison, qui ont fait de la prison. Moi, Christophe, tu en as fait, moi je pense aussi notre camarade Jean-Claude, qui est un camarade parisien qui est actuellement en prison à Rennes, parce qu'il a défendu ses idées. Je pense à Loïc, également un militant écologiste, un camarade qui en ce moment est également en prison depuis quelques jours. C'est-à-dire que c'est, aujourd'hui, il y a quand même un signal fort. C'est-à-dire que s'ils sont prêts à déchaîner autant de répression, s'ils sont prêts à faire couler autant le sang, c'est bien qu'on représente un danger, c'est bien qu'on les fait peur. Si nous n'étions pas une menace, ils n'auraient en aucun cas besoin de se déchaîner avec autant de violence, de semer la terreur. Parce qu'aujourd'hui, le pari de Macron et de ses copains financiers, parce qu'en réalité, c'est juste une petite marionnette qui est manipulée par le monde de la finance, eh bien, sa stratégie, avec son chargé de mission, M. Darmanin, et auparavant Castaner, etc., qu'on passe et des meilleurs, ça a été de jouer sur la terreur. C'est-à-dire que puisqu'ils ne veulent pas répondre politiquement, et d'ailleurs, il ne faut pas s'attendre à une réponse politique de leur part, dans la mesure où ils ont des intérêts qui ne sont pas les nôtres, eh bien, puisqu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas répondre à de justes et légitimes revendications qui sont contradictoires à leur intérêt de classe, eh bien la seule chose qu'ils savent faire, c'est faire couler le sang et c'est parier sur la terreur. Or, qu'est-ce qu'on leur dit? On n'est pas les premiers à leur dire, ça a été dit avant nous et on le dit avec force aujourd'hui. Rien n'arrêtera nos idées, en ce moment par exemple on parle beaucoup de la dissolution des soulèvements de la terre. Mais quand est-ce que cette sinistre crapule de Darmanin par exemple va comprendre qu'on ne peut pas dissoudre la colère? On ne peut pas dissoudre un soulèvement, on ne peut pas dissoudre des idées, on ne peut pas dissoudre une génération entière, et je parle de la mienne qui va prochainement se soulever tout entière contre la catastrophe écologique parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Ils ne pourront pas soulever des gens
et dissoudre des gens de manière indéterminée. Au bout d'un moment, ça devra s'arrêter et nous l'emporterons. Et moi, je dis qu'ils font un mauvais pari en réalité, parce qu'ils pensent que, en semant la terreur, ils vont nous arrêter. Peut-être que sur le court terme, effectivement, ça en dissuade certains. Mais sur le long terme, ça va produire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre des choses abominables. On voit les nôtres se faire matraquer, se faire taper, se faire violenter, tabasser. Eh bien ça, ce que ça crée, ce que ça engendre chez nous dans notre imaginaire, c'est une rage, une colère profonde. Imaginez-vous les lycéens qui sont en train de tabasser en ce moment, qui ont 14, 15, 16 ans. Imaginez-vous ce qu'ils vont faire d'eux dans quelques années. Ils vont faire d'eux des lions, des gens pétris de rage. Et tant mieux d'un côté, parce que aujourd'hui, je pense qu'il va falloir effectivement, et j'en reviens à ce que je disais au début, passer à l'étape supérieure, s'énerver un peu plus, et face à un gouvernement qui est prêt à tuer, on l'a vu à Sainte-Soline en envoyant deux personnes en coma, eh bien, il ne faut pas se laisser faire. Face à un gouvernement qui utilise des armes de guerre contre une population civile, il faut riposter. Moi, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Alors certains diront « Oui, mais c'est un extrémiste. Oui, mais c'est un homme radical. » Je réponds que déjà, je suis fier d'être considéré comme un radical, parce qu'être radical, c'est prendre les problèmes à la racine. Et si celles et ceux qui nous gouvernaient l'étaient, eh bien en réalité, ça ferait longtemps qu'on serait sortis de l'auberge. Donc pour ça, sincèrement, j'en fais un compliment. Et vous savez, être taxé de tous les noms par ces gens-là, je le prends un peu comme une fierté, parce que je n'ai aucun compliment à attendre d'eux, et ce serait un sujet d'inquiétude que d'en avoir de leur part. Donc voilà, malgré tout, moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a de l'espoir, on ne lâche rien. Il y a des répressions aussi, là, il y a d'autres formes de répression dont on aurait pu parler. Je sais que durant ce mouvement contre la réforme des retraites, par exemple, ma génération, les plus jeunes d'entre nous, ont été enfermés à plusieurs reprises. J'ai fait personnellement deux gardes à vue, certains ont fait une dizaine de gardes à vue en l'espace de 5 mois, juste parce qu'ils étaient identifiés comme jeunes et mobilisés, et ça a semé la terreur chez le gouvernement, parce qu'on a vu que ceux qui faisaient peur aux gouvernants durant cette mobilisation contre la réforme des retraites, eh bien c'était bien les jeunes, c'était les lycéens notamment qui érigeaient des barricades place de la Concorde. Donc voilà, malgré tout, ça ne nous arrêtera pas, et moi je leur dis, tirez autant que vous voulez, enfermez-nous autant que vous voulez, mutilez, semez la terreur si vous le souhaitez, mais croyez-moi, un jour ou l'autre, vous allez prendre très cher et le revers va vous faire très mal. En même temps, il y a une lune d'espoir. Donc maintenant, on va donner effectivement la parole à David Kudeski. Voilà, merci. Bonjour à tous, bon, je connais. Après, il y aura des questions au public. Hein. Mon propos va être très court, parce que vu ce qu'a dit Ratsi, vu ce qu'a dit Christophe, je veux dire, moi, j'en fais une belle synthèse. Mais j'aimerais revenir d'abord sur les propos qu'a tenu Christophe. Parce que souvent, en fait, bon, on parle des violences policières, on parle des violences judiciaires, mais on ne parle pas des violences que ça engendre. Moi-même, je suis avocat notamment de manifestants. Donc, j'ai commencé à défendre les manifestants au début du mouvement des Gilets jaunes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les manifestants étaient les primo-manifestants, les manifestants Gilets jaunes, vous le savez tous. Ce qui fait qu'en fin de compte, ils ont été confrontés à un manque kafkaïen. La première étape, ça a été évidemment la garde à vue. Au sein d'un commissariat ou au sein d'une brigade de gendarmerie. Donc ils étaient évidemment un peu décontenancés. Et donc il n'y a pas que le côté, en fait, garde à vue, ensuite déferment éventuel devant un tribunal correctionnel et une éventuelle condamnation. Il y a tout l'environnement, en fait, qui gravite autour. Il y a la famille, hein, parce que la famille, en fin de compte, quand vous êtes avocat, il faut aussi rassurer la famille. À 3h du matin, hein, parce que souvent, en fin de compte, les gardes à vue avaient lieu souvent après les manifestations. Et bah voilà, les gardes à vue étaient à partir de 21h, 22h. Donc voilà, il fallait rassurer la famille, il fallait rassurer l'employeur. Enfin, et voilà, il y a tout cet aspect, en fait, que moi j'ai connu en tant qu'avocat, que personne ne connaît, mais qui se rajoute, en fin de compte, à mon assistance, à l'interrogatoire de la personne mise en cause. Et à ma plaidoirie devant un tribunal correctionnel. Donc il y a une violence policière, il y a la violence judiciaire, mais il y a les violences que engendrent ces mêmes violences, quoi, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du boulot. Pour son boulot, il en a parlé. Bon, il est passé en commission de discipline, mais il y en a d'autres en province. J'ai connu, en fin de compte, quelqu'un, Manu du Nord, qui était un petit peu une figure emblématique du Nord, qui lui, en fin de compte, exerçait des fonctions d'agent de sécurité
Et comme malheureusement il a été condamné, bah, il a perdu sa carte professionnelle, hein, donc il ne peut plus exercer son boulot, sans compter le fait que quand vous êtes en province, parce que la violence, bon, il y a eu la violence à Paris, moi je suis habitué au Grand Paris, mais je crois qu'en province c'était pire, parce qu'en province, ou même en banlieue, hein, même je parle de la province, mais même dans 91, hein, ou dans les communes, où tout de suite, en fait, les services de police, les RT, les renseignements territoriaux, ou les gendarmes essayent, en fait, de cibler, en fin de compte, les leaders, entre guillemets, parce qu'ils pensent... Alors, dans le mouvement des jeunes, tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu de leader, mais bon, il fallait qu'ils s'inventent un leader, un entraîneur, voilà, qui pousse les autres, en fait, à manifester, voire à commettre des violences. Donc, je pense que la répression en province était beaucoup plus pire qu'à Paris, hein, durant le mouvement des jeunes, et même encore d'ailleurs, je pense notamment à Kevin Delorin, hein, Kevin Delorin qui est anarchiste, et alors il est anarchiste. Alors où est le problème? Et puis en fin de compte, il est ciblé, il a arrêté préventivement, ou dès qu'il participe à une action, pareil, il a arrêté, tu parlais de Loïc aussi, hein, qui est je crois anarchiste, qui a été arrêté, alors qu'il venait d'être relaxé, je crois, 2-3 jours avant, parce qu'il y a aussi la vengeance policière qu'on oublie, mais ça c'est une autre histoire. Parce que les policiers vous arrêtent, vous êtes relaxés, ils ne le supportent pas, donc ils essaient de vous réarrêter pour notre infraction imaginaire. Parce que durant tous ces mouvements sociaux, en fin de compte, qu'est-ce qui a ressorti? Ce qui a ressorti, en fin de compte, c'est que les parquets, en fait, nous ont inventé, nous ont créé des infractions imaginaires, comme participation à un groupement pour commettre des dégradations et des violences. Ils ont fait, en un an, de novembre 2018 à peu près à décembre 2019, il y a eu 10 000 interpellations. 10 000 interpellations, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Vous avez eu 3 000 condamnations, dont 800 à des peines de prison, ferme. Mais en fait, si vous faites le delta, en fait, 10 000 interpellations, 3 000 condamnations, ça veut dire que 7 000 personnes auraient été arrêtées pour rien. Ils ont eu un classement sans suite. Ce qui fait que c'est ce qu'on appelle la catégorie des interpellations préventives pour des infractions imaginaires. Et ce qui a subi, en fait, Richie, hein, mon voisin de gauche, tu as été arrêté 2 fois pour participation à un groupement qui commet des dégradations et des violences, et à chaque fois, c'est déclassé sans suite. Donc, en fin de compte, et c'est un petit peu la marque, alors toi, tu as parlé de dictature, mais c'est aussi la marque, en fait, des régimes, moi je parlerai pas de dictature, parce que bon, même si on a un conseil constitutionnel qui est critiquable, etc., dans son mode de nomination, qui est censé contrôler la constitutionnalité des lois, ça ne fait pas partie, en fin de compte, de ta définition. Parce que dans ta définition, tu nous as cité, pour la dictature, en fin de compte, il faut... C'est la définition de la... Oui, c'est la... Oui, non, mais je sais bien, mais bon, en France, en fait, on a quand même un conseil constitutionnel. Alors, il est critiquable, hein, ça, il n'y a aucun souci. On peut critiquer son mode de nomination, puisqu'il est nommé, en fait, par des politiques. Hein, ses membres sont nommés par des politiques. Mais en tout cas, je ne suis pas certain que ça rentre dans la définition de la dictature. Moi, je serais plutôt dans le régime autoritaire ou dans ce que j'appelle dans la démocratie vitrine. Alors, démocratie vitrine, parce qu'on n'a jamais été, en fait, en démocratie. On vous vend la démocratie dans les pays occidentaux, etc. On n'est pas dans la démocratie au sens, évidemment, la définition grecque, hein, qui est le gouvernement du peuple par le peuple, etc. On est dans un régime représentatif. À l'époque révolutionnaire, vous aviez, disons, deux courants. Il y avait le courant de Robespierre qui était pour... voilà, les Montagnards, les Girondins, voilà, qui étaient vraiment très en avance sur son temps, en termes de revendications sociales, il était partisan d'une démocratie directe, qui, à l'époque, la démocratie directe existait déjà en Suisse, sous des formes particulières. Et en fin de compte, qu'est-ce qui a gagné par le temps? C'est le régime représentatif. Ça veut dire, en fait, ce sont des députés, des sénateurs, en fait, qui vous représentent au sein des chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais le problème, et je crois, Philippe, je crois que j'ai trop longtemps tout à l'heure, l'a indiqué, en fait, quand vous élisez des gens pour 5 ans, en fin de compte, qui parfois n'ont même pas de programme, ou bien vous n'avez même pas de programme, vous dites, oh, il a la ligne qui est sympa, ou la loi qui la mouche, et en fait, ils sont élus pour 5 ans, mais ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'est assez quand même particulier, parce que quand on prend, en fait, quand vous donnez un mandat à quelqu'un, en droit privé, bah, vous lui mettez des instructions. Je te mandate pour faire tel truc, tel truc, tel truc. Là, en fin de compte, on les mandate pour faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils peuvent abolir la République. Ils peuvent modifier la Constitution. Hein, qu'ils soient d'accord à 3/5, ils seraient mis sans congrès, ils modifient la Constitution, le peuple ne sera pas consulté. Et c'est bien, en fait, le problème, en fait, de ce régime qui peut être
à l'époque du général de Gaulle a peut-être marché, peut-être était nécessaire. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est face à une classe politique, une oligarchie politique, en fait, qui font ce qu'ils veulent, en concertation avec les puissances financières, etc., parce qu'il faut financer les campagnes électorales, etc., etc., etc. Donc c'est ça, en fait, le problème. Pour revenir, en fait, aux violences policières, vous savez, en fait, comment ça fonctionne, en fait. Quand vous mettez quelqu'un en garde à vue, en fait, vous avez commis une infraction qui existe ou une infraction imaginaire, parce qu'ils vous mettent souvent en garde à vue pour des infractions imaginaires, comme j'ai dit précédemment. En fait, donc, vous arrivez dans le commissariat et c'est le parquet, en fait, qui décide de votre sort. Alors, ce qu'il faut savoir, que le parquet, il est rattaché, en fait, au ministère de la Justice, en tout cas, via une hiérarchie, ce qui, en fin de compte, on ne peut pas dire, en fait, en France, qu'on a une vraie séparation de pouvoir, séparation des pouvoirs au sens de Montesquieu. Hein, puisque le parquet, en fait, est rattaché au ministère de la Justice, ce qui explique, en fin de compte, cette répression, notamment avec les GIGN, parce que les parquets ont des instructions, mais c'est des instructions qui sont publiées sur Légifrance, ce qui s'appelle des circulaires, voilà, qui enjoint, en fait, les parquets à faire œuvre. Il y avait, pour les GIGN, c'est en novembre 2018, 24 novembre, je prends des circulaires, qui enjoint, en fait, à être très, très répressif envers les manifestants. Voilà, ce qui explique en fin de compte les répressions qu'ont subi les Gilets jaunes, qu'ont subi en fait les mouvements écologiques, qui continuent à subir d'ailleurs, et qu'ont subi les syndicalistes, certains syndicalistes pendant le mouvement des retraites. Pour vous dire en fin de compte qu'on est face à un régime qui a décidé en fait de taper sur ses opposants, voilà, sur ses opposants politiques, ce qui existe évidemment dans des dictatures. Mais en fin de compte, faire la comparaison, on pourrait faire la comparaison, parce que bon, si on aborde aussi la liberté de la presse qui appartient à 9 milliardaires, 90% de la presse, donc on est loin en fait d'un pluralisme aussi d'opinion. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une dictature? Bon, on est quand même dans un régime autoritaire, et je pense que Ricci a raison, on a le droit à l'autodéfense populaire, mais l'autodéfense populaire, il faut nous expliquer ce que c'est. Pour nous expliquer les modalités, parce que c'est bien de dire, en fin de compte, défendez-vous, mais on vous donne pas le mode d'emploi, parce que, évidemment, si on vous donne le mode d'emploi, vous allez peut-être finir en garde à vue, vous allez peut-être finir en prison. Non, attends, on vous donnera pas, ici. Mais on vous donne pas le mode d'emploi. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais il faut un soulèvement de masse. Et le problème, c'est que, on aurait pu le faire lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, puisqu'on était des millions dans la rue. Et le problème, il faut aussi l'avait soulevé tout à l'heure, bon, c'est les républiques nations, c'est pas les syndiqués, mais un petit peu quand même, il faut dire ce qu'il y a, qui obéissent en fait à leur centrale syndicale, parce que effectivement, les leaders syndicaux sont coupables, hein, puisqu'ils n'auront jamais dû revenir en fait à la table de Macron pour négocier, parce que c'est ce qu'ils ont fait, hein, Berger le premier, évidemment, parce que c'est social traître, hein, tout le monde. Je suis désolé s'il y a des militants CFDT, mais les militants CFDT dans les entreprises ne sont pas tous des gens d'économie, c'est pas tous des sociaux-traîtres, mais en tout cas, Laurent Berger, c'est un social-traître. Et voilà. Et en fait, quand il a revenu à la table des négociations, et la CGT, donc la nouvelle leader de la CGT, au début ne voulait pas revenir à la table des négociations. Mais en fin de compte, elle a cédé, elle y était. Mais en fait, là où les syndicats, les partenaires sociaux, comme on les appelle, en fait, ils avaient moyen de faire pression sur le gouvernement en se retirant des instances paritaires, en bloquant le pays au niveau social, au niveau gouvernemental, ne plus négocier, en fin de compte, ne plus participer aux négociations sociales proposées par le gouvernement. Et donc, ils ne l'ont pas fait. Voilà, ils ne l'ont pas fait, ça, et ça, je trouve que c'est important, parce que ça a tout de suite stoppé, en fin de compte, la mobilisation. Alors, pour en revenir à l'autodéfense populaire, effectivement, il faut être des millions. Il faut être des millions. On était des millions lors de la mobilisation pendant la retraite. C'est des parapublics nationaux qu'il fallait aller à l'Élysée directement ou prendre, entre guillemets, l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. En fait, vous êtes obligé de... Regardez les Gilets jaunes le 1er décembre 2018. Hein, il y a le monarque qui était prêt à bondir sur son hélicoptère. Alors qu'on était... ils n'étaient pas nombreux le 1er décembre 2018. Vous voyez. En fait, et c'est ça qui est inquiétant, en fin de compte. C'est ça qui est inquiétant parce que on a le sentiment que c'est un gouvernement, c'est un chef de l'État qui y réagiront si on est violent. En fin de compte, c'est quand même assez problématique parce qu'il faut arriver en fait dans ce pays à une extrême violence. J'ai le sentiment
pour arriver à quelque chose, puisque l'exemple du mouvement des Gilets jaunes l'a démontré. On n'était pas 3 millions, hein, ils étaient beaucoup moins nombreux, et pourtant le gouvernement, en tout cas Emmanuel Macron, a cédé temporairement, etc. Et malheureusement, avec ce chef de l'État, vous aurez beau avoir toutes les mobilisations possibles, vous pourrez être même 10 millions, même 20 millions dans la rue. Malheureusement, s'il n'y a pas de violence, vous n'arriverez à rien. Parce qu'il considère qu'il est élu pour 5 ans, qu'il a le droit de tout faire, et à partir de là, voilà, vous l'obéissez. Même en fin de compte, ce qui n'est pas dans son programme. C'est pas dans mon programme, mais c'est pas grave. La guerre, moi je suis ni pro-russe, ni pro-ukrainien, je m'en fous. Enfin, je suis comme tout le monde, je suis pour la paix dans le monde, etc. Et que l'Ukraine récupère ses territoires, ça, voilà. Est-ce que la France a été consultée? Non. Non. Est-ce que l'Assemblée nationale a été consultée? Non. La dernière fois, en fait, que le peuple français a été consulté, c'était en 2005. Hein, tout le monde s'en souvient. Et encore, Sarkozy, en catimini, a fait revenir la mesure. Alors, une partie des mesures, en fait, qui avaient été refusées par le peuple français, il est revenu, en fait, par... Ces mesures ont été adoptées par le Congrès en 3/5 par les parlementaires. Donc, en fin de compte... c'est malheureux parce que, mais en tout cas, il y a quand même des bienfaits, il y a quand même des acquis positifs dans la mobilisation. Les Gilets jaunes ont montré qu'il n'y avait pas de crépitation, qu'on pouvait faire des manifestations spontanées qui sont parfaitement autorisées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et voilà, et ce qui m'a vraiment plu, c'est les jeunes, voilà, comme ici, qui ont fait des super manifestations sauvages, qui ont cambriolé du poubelle. Bon, ça fait de mal qu'il y a les poubelles, donc il n'y a aucun souci, quoi. Casser une vitrine ou brûler une poubelle, de toute façon, il y a des assurances, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais bon, il faut pouvoir s'exprimer. Et quand on ne laisse pas le peuple s'exprimer d'une manière ou d'une autre, il s'exprime en fait par la violence, mais sur les biens, pas sur les personnes. Je pense déjà qu'il faudrait faire certaines choses, et on l'a vu au début des Gilets jaunes, dans les premiers actes, déjà dans les 3 ou 5 premiers actes, c'est qu'il y avait déjà beaucoup moins de monde qui se promenait avec des téléphones en manif. Il y avait beaucoup moins de monde quand on avait un blessé. Maintenant, on a 50 personnes avec le téléphone. Et il n'y a qu'une solution, et on l'a vu, c'est quand le peuple et quand les manifestants font tampon. Et ouais, si on est 200, ils sont 50 en face de nous, et on fait vraiment tampon, et il n'y a pas un trou, il n'y a pas beaucoup d'interventions, il n'y a pas beaucoup d'arrestations. Pareil, les syndicats, j'ai rien contre eux. Mais tout pendant qu'ils marcheront avec des cordes entourées, c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, on doit être tous ensemble. La rue, elle est pour tout le monde. Et tout pendant qu'on sera pas mélangé, parce que pourquoi les Black Blocs sont d'un côté, pourquoi les Gilets jaunes sont d'un côté, pourquoi les syndicats sont d'un côté, ça ne peut pas marcher. Tout le monde doit être mélangé, et quand il y a une charge policière, on doit être tous ensemble, et même on doit se serrer bras contre bras et faire tampon. Et quand il y a un camarade par terre, on va le chercher et on arrête de sortir le téléphone. Parce que maintenant, c'est quoi les manifestations? On regarde à la fin de la journée sur les Facebook des gens et qu'on voit 74 avec le plus. Vous venez pour faire des selfies? Vous venez pour faire quoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a qui crèvent la dalle, il y en a qui dorment. Donc à partir de là, eh ben faisons tampon, soyons unis, et c'est pareil. Ces différences de couleur, de droite, de gauche, de je sais pas quoi, à la fin du mois, votre portefeuille, c'est pour pareil, pour tout le monde. Le frigo, il est vide pour tout le monde. Donc on s'en fout que tu sois de droite, de gauche. Ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, tout pendant qu'on ne sera pas unis, qu'on n'ira pas tous ensemble, parce que notre ennemi, c'est le même, et c'est où? C'est à l'Élysée. Donc allons faire une ZAD à l'Élysée. Ouais. Un petit dernier mot là, vous procurez peut-être. Comme on est là pour les violences policières, je dirais qu'une phrase, ni oubli, ni pardon.
Policiers, prenez garde. Vous avez déjà accompli trop de vilaines besognes. Nous allons savoir si vous êtes la police française ou les valets de la Gestapo. Si vous êtes les gardiens de la loi ou les pourvoyeurs des marchands d'esclaves. Vos dossiers sont ouverts. Prenez garde. Le châtiment guette les hommes de la trahison. Policiers, restez des policiers français.